Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Foundation. Alors j'ai un petit peu avancé hors stream. Genre là j'ai ma ferme qui s'est construite, je vais commencer à déboiser ici. Voilà, j'ai fini mon église ici. Et pareil, j'ai construit un camp de bûcherons. Non, c'est pas ça. Je vais construire un camp de bûcherons ici pour déboiser ici ensuite. Parce qu'on va essayer de partir par là-bas pour les ressources qui sont ici. Mais pour le moment, il faut qu'on arrive à remonter le pain, c'est ce qu'on avait dit. On va quand même attendre que les intempéries soient terminées. Parce que c'est quelque chose qui va nous gêner pour le pain. Pour être sûr qu'on produise assez de pain en fait. Parce que si je me souviens bien, la farine on est à 262, on va essayer de suivre la laine, le tissu et les vêtements. C'est largement bon je pense. Ok. Donc on a des nouveaux villageois qui arrivent dans notre village. On va peut-être arrêter pour le moment l'immigration. Parce que j'ai énormément de sans-emploi. Beaucoup, bien assez. J'en ai bien assez. Alors ça, on va le mettre par là. Clac, poursuivre les ressources. Ok. Donc là, je commence à stocker du bois ici. Ok, qu'est-ce que je voulais faire? Les planches. Je suis à 140 de planches. Où c'est que je stocke des planches? Ici. Je suis pas au max. Est-ce que j'ai le maximum ici? Non, je crois pas. Peut-être qu'on va stocker des planches un peu. Ici, on va peut-être mettre un stock de planches. Où sont les planches? Là. Hop, et là on va peut-être assigner un villageois qui fait rien. Ok. On est toujours parfaitement bien en or. Là, ils sont toujours très bien tous. Ok. Peut-être qu'il va être temps de refaire une ferme à blé. Oh là, le lait, j'avais pas vu. Waouh, le lait, on a chuté carrément. Et oui, j'ai deux fromagers et une seule ferme laitière. Alors, c'est où qu'on stocke le lait? C'est ici qu'on stocke le lait. On va rajouter une personne et on va refaire une ferme laitière par ici, je pense. Ouais, par là, de toute façon. Construire. Une ferme laitière. Produit du lait. Voilà, on peut se mettre par là. Clac, boum. Hop. On centralise les choses. Ok. Là, j'ai aucun avertissement. Comme c'est vert, c'est que c'est bon. Mais du coup, on a pas mal de fromage, mais on produit pas assez de lait. Je m'en doutais un peu, hein, puisque j'ai ajouté une deuxième fromagerie. Ok, donc ici, qu'est-ce que j'ai? Donc dans mes petits marchés, là, j'ai tous mes trucs, donc on est bien. Là et là, voilà. Donc normalement, ça devrait être bon. Ah, je vais juste regarder un truc. Non, il n'y a pas, évidemment. Des sculptures. Donc on peut stocker des sculptures. C'est où qu'on stocke des sculptures? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans ma précédente partie, j'avais pu faire des sculptures, mais je n'ai pas compris comment les faire. Alors, j'en ai 40. Alors là, je peux mettre 40 fidèles. Là, 80. Ça fait 120 et là 30.
150. C'est pas mal. C'est pas mal. On va attendre d'avoir les promotions pour les placer. Pour tous les passer serre. Donc là, on va, je crois que c'est qu'une seule personne là, pour le lait. Ouais. Le pain, ça stagne quand même. C'est pas mal. Hein. La farine. Oula, on descend la farine là. 225. En fait, je pense que l'hiver. Enfin, quand il y a de la pluie. Mon stock de farine va baisser. Le blé, ça va à peu près. J'étais à 260 tout à l'heure en farine, je crois. Parce que du coup, on va produire vachement moins. On verra. On verra ce que ça donne. On va essayer de se dépêcher à construire ça. Hop. Peut-être commencer à regarder pour les besoins de luxe. Vu que j'ai beaucoup de gens qui ne font rien. Je pense que ce serait pas mal. Est-ce qu'on va mettre les productions par ici, par ici? Je ne sais pas. Ça va dépendre un peu de... S'il y a besoin de déboiser ou pas. Ben oui, pour la bière, il y aura besoin de déboiser. Donc là, on va assigner hop, un sans emploi. Et on va ajouter des vaches. Voilà. Moi, je suis sûr que ça va pas poser problème. Ça, faudra que je l'enlève quand ils auront fini. C'est où qui déboise? Ouais, je peux peut-être l'enlever pour le moment maintenant. Ok. Donc là, il y a trois bûcherons qui ne font rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un camp de bûcherons. Bon, là, l'extraction, elle est indiquée. Donc on va construire un camp de bûcherons. Là. Hop. Et celui-là, on va le démolir. Boum. Supprimer. Je perds 46 de bois, c'est pas trop grave. Ouais, c'est normal. Ok. Là, notre fort, on l'améliorera après aussi, peut-être. Peut-être qu'on peut s'amuser à l'améliorer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme mur? Mur de taverne et grand mur de pierre. Qu'est-ce que ça donne un grand mur de pierre? C'est stylé. Par contre, il n'y a pas de porte. J'ai pas de... J'ai pas de porte à part la porte en bois. Ah, sinon on met une porte en bois. C'est dommage d'avoir une porte en bois quand on peut faire des murs en pierre. Vous en pensez quoi? On va peut-être attendre de débloquer des trucs avant de faire du cosmétique. Surtout que là j'ai une porte qui est buggée. Ah tiens, j'ai des extensions qui ne servent à rien. On va les mettre en trésorerie. Hop. Comme ça je stocke un peu plus d'or. On va peut-être agrandir cette église pour qu'elle accueille un peu plus de fidèles aussi. Ce serait pas mal. On va rajouter une extension comme ça. Ouf. Même deux. Clac. Commencer la construction. Hop là. Voilà, donc là on va commencer peut-être à produire plus de lait. On va voir. Tiens, les baies ça redescend, c'est marrant. Promotion disponible. Allons-y. Alors, les serres. Oh, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Les roturiers. En fait, ça sert à rien de les promouvoir roturiers, d'en avoir 150 000. Parce que... Est-ce qu'ils produisent autant? Alors attendez. Si j'en prends un au pif,
J'en prends au pif. Les métiers citoyens. Nouvel arrivant, roturier. Je sais pas à quoi ça correspond cette barre là. Est-ce que ça veut dire que pour certains métiers, ils auront besoin d'être citoyens? Je ne sais pas. Quand ils sont roturiers, ils s'améliorent mieux. Je ne sais pas. Par exemple, elle, elle est roturière. Et elle est fermier. Donc peut-être que là, il y aura un niveau supérieur après. Je ne sais pas. Si je prends des vieux de la vieille. Attendez, liste des villageois. On va prendre selon l'arrivée. Donc elle par exemple c'est ma cueilleuse en chef quoi. C'est au cueilleur niveau 6. Je ne sais pas. C'est sûrement un... Ça veut sûrement dire quelque chose ça. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Peut-être qu'ils produisent mieux, peut-être qu'ils sont plus efficaces, je n'en sais rien. Le travail est plein. Camp de bûcheron. Ah oui, je produis trop de bois maintenant. Ok, donc le mauvais temps est derrière nous, parfait. Ok, très bien. Donc là, on va se remettre à produire plus de blé. Donc on va essayer de voir si, si notre réserve de pain remonte. On le laisse toujours pas ça. Un émissaire. Qu'est-ce qu'il veut qu'on lui donne du pain? Qu'est-ce qu'on a besoin là-dedans? Là, on va avoir besoin de 19-21. On n'a pas assez, donc on va prendre le clergé. On va aider le clergé. Allez, je sais pas cliquer dessus. On va prendre ça. Je vais aider l'église. Hop, hop, on livre 5 pains, c'est rien du tout. Voilà. Promotion disponible. Donc on va attendre encore un peu. Ok, donc là on a un puits. Les puits, on en a à peu près partout normalement. Peut-être qu'on va refaire une ferme laitière. Hein, parce que là, le lait n'a pas l'air de bien vouloir remonter. Hein. Et vu qu'on a des gens qui ne font rien, eh bien on peut se le permettre. C'est où? Je suis aveugle des fois moi. Ferme laitière. On va pas s'embêter, on va lui faire couper les arbres comme ça. Ça va nous enlever les arbres d'ici. Clac. Hop là. Voilà. Ça c'est fait. Donc là normalement on devrait remonter un petit peu en farine, j'espère. En tout cas en fromage on est largement bon. Comment j'ai défini mon zonage? Ok, on va peut-être effacer des zones bleues là qui servent plus à rien. Il y a des maisons qui arrivent là. Il y a des maisons qui arrivent ici. Côté de l'église. Là, on a bien enlevé tout le... Voilà. Un petit lag, là, on a bien enlevé tout le bois, ici. Hein. Là, ils ont bien bossé, les bûcherons, là. C'est cool, c'est cool. Hop, ici aussi. Il reste un peu, là. Il en reste un peu. Ok. Là, ça va être bon pour ma ferme. Ok.
Nouvelle mission militaire est disponible. Oui, mais de toute façon, tant que j'ai pas réussi à finir la mission au maximum, je ne pourrai pas débloquer les missions suivantes. Mais pour ça, il faut que j'améliore mes, mes gars en citoyen. Et pour qu'ils soient citoyens, ils ont des nouveaux besoins. Et je suppose qu'il va y avoir 3 besoins de nourriture ensuite. Sauf que j'ai que 1, 2, si j'ai 3 nourriture. Bon, le fromage. Le fromage, c'est la joie. Hein. Il faudrait que j'arrive à surstocker du lait. Comme ça, même si mes réserves de fromage venaient à descendre, eh bien, je pourrais toujours assurer en lait. Ce qui m'embête, c'est que je perds de la production, là, du coup. Vu que je ne stocke pas. C'est pas grave. 600. 50, 50, 50. Ça fait 150. 150 et 400. Ça fait 550. 600, 650. Ouais, je dois pouvoir stocker 650 de fromage. On verra. Ok, les vêtements, je pense que je suis toujours bien. Ouais, 339, c'est bien. Ça diminue pas mal, on va essayer de suivre un petit peu. Parce que les roturiers, ils ont besoin de vêtements. Hein. Ouais, c'est les roturiers, donc là pour le moment j'améliore que des serres, donc ils ont pas besoin de vêtements. Faut peut-être que je pense à booster ma prod de vêtements juste pour être sûr. Je peux m'en faire un autre d'ailleurs à la limite. Est-ce que j'ai réellement besoin d'avoir 150 000 roturiers? J'ai juste besoin d'avoir des citoyens supplémentaires pour pouvoir débloquer des nouveaux trucs comme tout ça là au monastère pour pouvoir augmenter, enfin créer du vin, des vitraux, du miel. Et pour ça, il me faut des besoins de luxe avant tout. Et les besoins de luxe, ça va être la bière par exemple. La bière. On pourrait se faire une hutte de chasseur aussi. J'ai pas bien compris comment ça fonctionnait, mais on pourrait se faire des huttes de chasseur. Ça crée des sangliers. Mais l'autre fois, j'avais pas super bien compris comment ça fonctionnait. Il faudrait se garder une forêt quelque part. Bon, genre par là, là. Si on vient se décaler par ici. Si on vient se décaler par là, peut-être qu'on pourrait garder la forêt par là. On fera des maisons par ici. Pas forcément, remarque. Je réfléchis à comment je vais organiser mon truc. Parce que, attendez. Là, je peux faire une taverne maintenant. Donc, dans une taverne, ils vendent de la bière et... blablabla, et des repas, mais pour les repas il faut des sangliers. Donc on va être obligé de se créer une zone de chasse. Comment faire ? Bailly est disponible. Vas-y, va aider le royaume. Hop. Le pain, je descends toujours. Hein. La farine aussi. Le pain, ça descend. J'ai beaucoup de blé. Je produis peut-être plus assez de farine maintenant. On a des stocks de farine là. On a des stocks de farine ici. Ouais, peut-être que je vais faire un autre
un autre moulin ici par exemple. Peut-être on va faire un autre moulin. Vu qu'on a beaucoup de blé, mais j'ai l'impression que de toute façon mon stock de blé descend. Alors que mon stock de farine n'augmente pas forcément. Je suis à 180 en blé. Et si c'est ça, je produis pas assez de farine. Pourtant, j'ai deux boulangeries, hein. J'en ai une ici et une ici. Le stock de blé, de toute façon, il vaut mieux avoir un stock. C'est que je produis pas assez de pain. Ouais, mais mon stock de farine diminue lui aussi. J'ai pas assez de ferme. C'est tout. J'ai pas assez de ferme. Sauf que j'ai plus de place pour faire des fermes. Quelle galère. Quelle galère. Quelle galère. Quelle galère. 50 bûcherons ici. Paf, commencer la construction. Et on va extraire ici. Le problème c'est qu'ils bûcheronnent pas parce que... Enfin, je crois... Parce que... Ils bûcheronnent pas assez parce que j'ai mes stocks de bois qui sont pleins, je pense. Donc là, on a notre stock de blé. Stock de blé, on est à combien? 127. On va essayer de suivre ça quand même. Parce que là, la farine, ça a pas l'air de trop descendre encore. Ça sert à rien de continuer à déboiser ici. Si je peux peut-être agrandir ma ferme ici, mais je suis même pas sûr que eux, ils arrivent à tout récolter là. On va voir. Terminé, camp de bûcheron. Ok. Donc ça... Non. C'est le camp de bûcheron là que je veux démolir. Voilà. Ils vont aller là-bas, c'est pas grave. Ce pain, c'est la plaie, hein. Déjà dans ma partie d'avant, c'était la plaie. Pourtant, ils ont du fromage et tout, ils pourraient se contenter du reste, mais non, faut qu'ils bouffent du pain. Il faut qu'ils bouffent du pain. Donc là, je suis à 67, donc c'est-à-dire que je ne descends pas. Enfin, j'ai pas atteint 0. Et ils vont commencer bientôt à en récolter. Ça, ils ont même pas semé de partout, ces guignols. C'est pareil, ils ont rien semé là. Putain. C'était un peu mieux déjà. Je pourrais faire une autre ferme de blé par là. Pas top, le mieux serait qu'elle soit par ici là. Quand ils auront coupé tout ce bois. Ah, attendez, le bois, est-ce que j'en vends? Est-ce que je peux en vendre déjà du bois? Non, ils en achètent pas. Ça sert à rien. Je vais quand même essayer de le mettre, le bois. Je peux pas le mettre. Donc comme ça, c'est clair. Ah si, il est là. On va le vendre au-delà de 300. Allez, 330, comme ça moi je suis sûr qu'il y en a qui se vendra. S'il y en a qui se vend, c'est pas gagné. Ça descend la bouffe, hein, putain. Ok, voilà, le blé commence à monter, il récolte.
Là, ils récoltent leur blé. Oh, jusqu'à combien j'arrive? Je vais peut-être quand même commencer à produire du houblon et tout, non? Promotion. Bah les serfs ça sert à rien, les roturiers. Les citoyens, ils ont besoin. Ah non, ils ont juste un besoin supplémentaire de luxe. Nourriture, les roturiers. Ouais, mais les serfs, ils avaient déjà besoin de nourriture un petit peu, non? Les roturiers, ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin de luxe, donc la bière, le vin, le miel pour moi je ne peux pas, les herbes non plus, les bijoux non plus, donc ce sera forcément la bière. Mon besoin que je vais devoir leur donner, ça va être la bière. Et on a vu dans notre précédente partie que la bière c'est assez compliqué à produire, autant le houblon se produit très bien, mais la bière, non. Ouais, donc là ça veut dire que je commence à monter le blé, donc peut-être que je peux construire un autre moulin avant. Par contre, va falloir que je construise vraiment. Comment on fait déjà? Il est où le moulin avant, putain? J'ai mal aux yeux, c'est contrôle. Hop, on va le mettre comme ça le moulin avant. Paf, commencer la construction. Voilà. Ok. Mais il faut quand même que je prépare le fait. Pourquoi ils ont fait un tour comme ça, ces guignols là? Un moine s'approche. Ok. On va produire plus de planches sinon. Ils sont déjà trois charpentiers. Et c'est déjà tout plein. C'est déjà tout plein partout quasiment. Ça y est, le lait on a remonté, on est bien, le fromage aussi. C'est vraiment le pain qui pose problème à chaque fois. Faut qu'on arrête de vendre du pain. Ah là, le blé, ça y est, ça monte bien. Ça monte bien le blé. Mais là, du coup, dès que je vais avoir mon moulin, boum, ça va descendre à mort. Des outils. Non, je garde tout. Vu que je n'en produis pas, vu le peu que j'en ai besoin, bon, je stagne là du coup. Il faudra que je fasse du coup notre boulangerie aussi, forcément. Forcément. Ouais. Ouais. J'aurais pas le choix. Moulin avant. Donc alors dans le moulin avant, pour le moment, on va mettre qu'un seul meunier. On verra plus tard si on en met un deuxième. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de produire du houblon. Alors je veux voir ça. Et je veux une ferme de houblon. Ah, la ferme de houblon, ça ne me fait pas baisser l'attrait du village. Donc c'est très bien. Ah, j'ai pas construit par là. Donc c'est bien, on va mettre la ferme par ici. Du coup, c'est une bonne nouvelle ça. On va mettre d'abord un entrepôt. L'entrepôt, on va le mettre par ici du coup. On va le mettre dans les bois là. Mince. Je vais le mettre par là l'entrepôt, comme ça il fera pas baisser la traîne mon machin et il est proche de la route. Allez. Hop.
et on va mettre notre ferme de houblon ici. Où c'est qu'elle est? Ferme de houblon. Eh mais attendez. Je suis bête. Ce n'est pas un entrepôt qu'il faut que je fasse. C'est... Mais attendez, si je produis beaucoup trop de bois, je peux simplement faire ça aussi, je crois. Boum. 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 Voilà. Ok, comme ça ils vont reproduire du bois. C'est pas un entrepôt de ressources dont j'ai besoin, c'est un grenier. Et le grenier non plus ne dérange pas. Donc c'est très bien, c'est parfait. Le grenier, on va le mettre ici. Pouf, comme ça il gêne pas trop ma zone d'habitation. Hop. Clac. Surtout que là j'ai du bonheur résidentiel. Oui, j'ai fait un moulin. Et oui, je vais avoir besoin de moulin. De... Un moulin. Un... Je suis fatigué aussi. Un puits. J'aurai besoin après pour. Pour la bière, je crois. Donc, on a dit ferme de houblon. La ferme de houblon, on va la mettre là. Ou là, là, carrément. Voilà. Vas-y, là. Hop. Très bien. On va peut-être pouvoir recommencer à prendre des arrivants, là. Parce que je suis à 6. Ouais. J'aurais pas eu besoin de ce truc-là, en fait, moi. On verra. Si je dois me séparer d'une zone, ce sera celle-ci. Donc, c'est 3 arbres qui font chier quand même. Le blé on a 80. La farine on va commencer à remonter. 80 et puis ils vont arriver à... Là ils vont récolter bientôt. En récolte voilà. Donc ça va remonter. De toute façon dès que je peux ici, dès qu'ils vont avoir déboisé ici, je vais enlever là. Ils sont 4 transporteurs. Terminé un grenier. Donc là on va stocker du houblon. À fond. Vraiment à fond là. À fond de houblon. Et on va en mettre 2. Pour le moment. Ça suffira largement. Hop. Ouais, le bois on est déjà remonté. Oh là là le pain. Le pain s'abaisse, le pain s'abaisse. On va refaire une boulangerie, hein, pas le choix. C'est où le stock de pain? C'est ici, donc c'est pas trop loin encore. On va affecter une personne supplémentaire ici. Et on va reconstruire une boulangerie. Bien qu'on n'a pas le choix. Boulangerie. Hop, je vais me retrouver dans la même situation que l'autre fois, quoi. J'arrive pas à produire du pain. Alors que j'ai des tonnes de fermes, quoi. Hop. Bon, on a commencé un peu à produire du... Enfin, on va essayer de commencer à produire des ressources de luxe. Mais en même temps, on a besoin de... Beaucoup de... Blé, toujours. Pareil.
Ça m'embête vraiment, ça. Alors que le lait et le fromage, easy quoi, vraiment. Là, je suis ultra bien en lait fromage, mais alors le pain, ça commence à être la galère, quoi. Exactement comme l'autre fois, j'ai l'impression qu'ils mangent tous du pain, alors que le fromage, ils s'en battent les couilles, quoi. Complet. Ouais, ils ont tous besoin de ressources. Il y a très peu qui mangent du fromage, j'ai l'impression. Ouais, il y a très très peu qui mangent du fromage. C'est bizarre, hein? Ouais, il y a même quasiment pas qui bouffent du fromage. On essaiera un truc. Là. On va refaire un marché par là, là, après. Parce que là, tac, tac, tac. On le fera par là, le marché. Et on essaiera de pas vendre de pain, ici. Voir si les habitants qui viennent dans le coin mangent du fromage exclusivement. Sans manger de fromage. On verra, hein. On essaiera. On tentera le coup. Où est-ce qu'ils vont aller chercher du fromage et du pain là-bas? Mais je sais pas. Il faudrait être peut-être plutôt par là. Dans l'espèce de centre du village, il faudrait qu'il soit par là. Ouais non, ici là, ce serait pas mal ici. Là. Là. D'ailleurs, je pourrais déjà le placer. Au marché. Placer mon marché par ici là par exemple, tac, avec une étale ici, une autre étale de nourriture par là, une étale de marchandises par ici. Donc là on a des baies, des baies. Oula. Donc je produis quoi? Des baies, du fromage et des vêtements, et ce serait tout. En fait, clac, 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 des petites décos sympathiques comme d'habitude. Hop, un petit banc par là. Hop, un autre banc par ici. Hop. Voilà, donc ça on va commencer la construction. On va acheter ce territoire là. Je pense qu'on va commencer à extraire du marbre aussi, juste pour voir. Dépôt de pierre. On peut miner de la pierre, comme ça. Peut-être que c'est plus efficace. Des pots de marbre, des pots de fer. Donc là j'ai du marbre, le fer je m'en fous, je pense. Là on a de l'or. L'or, est-ce que ça se vend après? Non, c'est pour faire les bijoux, il faut avoir des... On verra. On verra, ah attendez, hop. La mine de boulot est toujours pas terminée là, putain, allez, bougez-vous le cul. La boulangerie, c'est pareil, on s'en bat les couilles pour le moment. Enfin bon, ce serait bien de la faire, mais... Promotion. Allez, on va avoir des nouveaux serres. 1, 2, 3, voilà. Roturier, on va attendre un peu. Citoyen, en fait on a que... Pas. Les roturiers, on n'a même pas 10. Pourtant si, 20. Seuls les roturiers avec des besoins comblés peuvent être promus en citoyens.
Ok, bon, ça veut dire qu'ils sont pas comblés, pourtant. Je ne sais pas. Alors. Oula, j'ai pas suivi. On en est à 80 minutes. 80, 40 minutes de vidéo. Donc on va pas tarder à s'arrêter. Ah, ça y est, la ferme de Gros est terminée. Donc là, on va dessiner des champs. Donc là, on va prévoir large. Hop, hop. Clac, puisqu'on se rappelle que ça produit bien. Hop. Hop. Voilà. Donc là, normalement, rien qu'avec ça, je pense qu'on sera pas mal. J'en assigne 3. Je pense que rien qu'avec ça, on va arriver à bien monter le stock de houblon qui est ici. Normalement. Et on peut même les passer en serre tout de suite, comme ça ils vont construire des habitations par ici. Ok. Ok, ok. Ah oui, je me rappelle, j'avais construit un bureau de bailli là. Ouais. Ok. Parfait. Bon, la prochaine fois, il faut vraiment qu'on arrive à faire encore augmenter ce pain. C'est quand même dingue ça. La farine, on remonte. Le blé, on est stable. J'ai l'impression. Donc bon, la prochaine fois, quand même, ce serait bien d'arriver à construire une nouvelle ferme de blé par ici. Pour y arriver, il faudrait qu'ils se dépêchent à déboiser. Pour déboiser, il faut que j'arrive à stocker du bois. Des baies, je vous en donne quand vous voulez des baies. Le problème, c'est que tout ça, j'en fais quoi, moi, tous ces trucs? J'en fais quoi de tous ces trucs? Allez, le royaume. Donc ça, hop. Hop, ça c'est fait. Ah, j'ai une mission de construire une église aussi. Ah oui, on la construit derrière la belle église. Un émissaire requiert une audience. Oui, mais je viens de le faire. Ok. Ok, donc la prochaine fois, on va essayer de... Je pense que j'avais fait plus de champs que ça la dernière fois de houblon. Non, je me rappelle pas. Oh non, il devait y avoir ça à peu près. Je pense que c'est pas mal. Ok, ouais, donc la prochaine fois, vraiment reconstruire la nouvelle boulangerie. Puisque là, maintenant, on arrive à peu près à stocker du blé, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est pas mal en blé. Et du coup, essayer de développer le village par là-bas sans avoir de pain vendu là-bas. Et on verra si les gens qui s'installent là-bas mangent du fromage exclusivement. Parce que les baies, c'est pareil, on est largement bon, puis on peut en foutre de partout, des baies. Donc c'est bien. Ok, donc allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour la suite de Foundation. Allez, salut à tous, ciao!